Pour accéder au centre de contrôle et activer des fonctions plus rapidement sur votre iPhone, placez votre doigt en bas de l'écran et faites-le remonter vers le haut. Vous accédez ainsi au centre de contrôle. Vous le connaissez certainement déjà, je vais vous montrer quelques petites astuces. On ne sait jamais, peut-être que vous ne les connaissez pas et ça pourrait vous faciliter la vie. Alors, par exemple, pour tout ce qui est lié au réseau, on a donc accès dans le premier carré en haut à gauche au mode avion, aux données cellulaires, au Wi-Fi et au Bluetooth. Et si on reste appuyé un petit peu au centre de ce carré, on a accès à deux fonctions qui sont quand même pratiques au quotidien, AirDrop et le partage de connexion. Pour la musique, c'est pareil, avec le carré classique, je peux mettre en lecture, passer au morceau précédent ou au morceau suivant. Si je reste appuyé, je peux choisir sur quel appareil diffuser la musique. Et je peux avancer dans un morceau et changer le volume de la musique. Il y a d'autres options, par exemple pour la luminosité, vous pouvez rester appuyé aussi dessus. Et vous avez accès à Night Shift qui permet de lutter contre la lumière bleue des écrans et qui permet bien sûr de protéger vos yeux. Dans les réglages, vous pouvez choisir d'activer Night Shift automatiquement du coucher du soleil au lever du soleil. Pour la lampe torche, c'est pareil, vous devez certainement l'utiliser. Et si vous restez appuyé, vous pouvez augmenter la puissance de la lampe, la puissance de votre flash en réalité, mais qui sert de lampe. Pour la calculatrice, si vous restez appuyé, vous accédez au dernier résultat calculé. Pour l'appareil photo, vous pouvez aussi gagner du temps en restant appuyé et en activant directement la fonction que vous désirez, comme par exemple enregistrer une vidéo ou prendre un selfie. Dans la vidéo suivante, vous découvrirez comment personnaliser ces commandes, comment les réorganiser, et vous verrez aussi comment activer l'accès au centre de contrôle si votre iPhone est verrouillé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Merci.